Les audiences de l'attentat de Nice promettent d'être tout aussi chargées en émotions. Toute la France garde en mémoire cette journée. Le 14 juillet 2016, jour de la fête nationale, alors que des centaines de personnes assistent au feu d'artifice, un camion fonce sur la foule, faisant 86 morts et plus de 450 blessés. L'auteur de l'attaque, Mohamed Lawayedj Boulel, qui a été abattu par les policiers, ne sera pas présent sur le banc des accusés ce lundi. En son absence, ce sont 7 hommes et une femme qui comparaîtront en raison de leur lien avec le terroriste. Ils seront jugés pour association de malfaiteurs ou pour avoir fourni des armes à Mohamed Lawayedj Boulel. Mais la parole sera surtout laissée aux victimes, blessés ou aux proches de personnes disparues. À ce jour, 865 personnes se sont déjà constituées partie civile et près de 250 ont annoncé leur volonté de venir témoigner. Les victimes se préparent donc à replonger dans l'horreur pour ce procès qui s'annonce éprouvant et qui doit durer jusqu'au 16 décembre.